Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et nous sommes sur le chantier. Une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, hein. Plusieurs fois vous m'avez dit mais Aurélie, le suivi de chantier là, c'est quand la suite? Donc ça y est, on profite d'une journée où les maçons sont pas là pour venir. J'ai ma petite Maëlle qui arrive en courant, diling 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 diling, saut de biche, saut de biche, saut de biche. Et qui est venue avec des chaussures blanches. Donc c'est super hein, de venir sur les chantiers alors que c'est de la bouillasse partout avec des baskets blanches. En même temps, je dis rien parce que je suis dans la même situation qu'elle. Bref, j'ai des bottes dans ma voiture, je vais peut-être aller les enfiler. Donc on va en profiter pour faire un petit tour et voir ce qui a changé. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. On est super contents, là on se rend bien compte, ça y est, de la forme et des volumes de la maison. Les pépettes ont trop hâte d'y être, elles ont trop hâte de déménager. Donc on va faire un petit tour et puis on vous montre ce qu'il en est. Alors voilà pour la face avant de la maison, donc ça y est, on se rend bien compte. Ici vous avez la porte d'entrée. Là, bon, il y a le garage, hein, bien sûr. Ici, ce sera la partie du garage, normalement, qu'on va transformer en bureau après. Au-dessus, il y aura une chambre d'amis. À côté, là, c'est des fixes qui donneront dans la cage d'escalier. Et derrière les parpaings, là-bas, là, ici, il y a la salle de bain de notre chambre, en fin de compte. Donc, allez, on va aller faire un petit tour pour vous montrer tout ça de plus près. Quand je vous dis que c'est de la bouillasse, c'est vraiment de la bouillasse. Hein. Donc le garage n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Et voilà ce que ça donne quand on arrive. On arrive directement dans la cuisine qui sera ici. Là on a le salon salle à manger. Ici on voulait faire une cave à la base mais en fin de compte on va sûrement changer nos plans. Et la porte du garage qui est ici donnera directement dans la buanderie. Donc voilà, ça a pas mal avancé. Là, on se rend maintenant bien compte. Hop. Donc là, on arrive dans le couloir de l'entrée. Il y aura une porte ici qui desservira, c'est ce que je vous disais, sûrement un futur bureau. Là, c'est dans un état. Il fait vraiment un temps de merde, c'est chiant. Là, on a le couloir qui desservira notre chambre. Ici, où il y a l'échelle, ce sera l'escalier, mais il sera dans l'autre sens. Hop! Et là, ce sera notre chambre ici, avec cette fameuse grande ouverture qu'on adore. On a fait une baie vitrée, mais en mode fenêtre, c'est-à-dire qu'il y a un soubassement. Donc franchement ça rend plutôt pas mal hein. Moi j'ai hâte de voir j'ai hâte de l'avoir hors d'air cette maison avec une vue bien sympathique hein. Ça c'est cool. Alors là on arrive à l'étage me paraît pas très grand comme ça, mais apparemment ça fait toujours cet effet là, faut attendre qu'il y ait le placo, les cloisons du placo. Donc là il y aura la cage d'escalier, ici c'est ce que je vous disais, ça ce sera les fixes qu'il y aura dans la cage d'escalier pour faire un point de lumière. Ça ce sera la chambre d'amis qui sera par là-bas, et ensuite ici on a les chambres des filles. Donc on sait pas dans quel sens elles seront encore. Mais elles ont des chambres qui sont totalement identiques. Et là, il y aura leur salle de bain. Donc, je vous laisse imaginer la vue qu'elles vont avoir. Franchement, c'est juste génial. C'est trop beau. Donc là, la chambre de Maëlle. Et là, en bas, il y aura son cheval. Non, ça c'est ce qu'elle s'imagine, hein, la belette. Elle aimerait trop. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en termes de volume. Ça fait quand même pas mal de place. Ça y est, le pignon a été fait, donc ça c'est cool. D'ailleurs, en parlant du pignon, on a des pentes qui sont assez basses en fin de compte. Et il a fallu qu'on change la forme de notre tuile, puisque les tuiles qu'on avait choisies à la base n'allaient pas sur un toit aussi peu pentu. Donc bon, c'est pas grave, on a quand même trouvé quelque chose de cool. Bon, on va aller se faire une petite vue du jardin.
Tu montes dans ta chambre, Maëlle? Ouais. D'accord. Il y a son père en haut. Je préfère le dire. Hop. Tchouk, tchouk. On va pas rester dans un état. Je vais être dégueu. Salut toi. Eh oh Laura. Et voilà ce que ça donne du jardin. Donc ça a bien changé hein, depuis la dernière fois. Oh, c'est cool, hein. Ça monte. J'ai hâte d'être à la fin de la semaine. Puisque la semaine prochaine, il y a la charpente et le toit normalement là qui va se mettre en place. Donc ça c'est cool. Hein? De quoi? Ah, le jardin est moche, il est pas fait encore, Maëlle. Hein. Il n'y a pas la place de mettre un cheval? Non, là-bas. Là-bas? Ah là, oui, là, tu vas avoir de la place, là. Vous voyez, elle était pas là quand je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est son objectif de mettre un cheval dans le champ. Elle est grave. Salut! Ah, c'est cool, hein. C'est cool. Bon ben voilà, on aura fait un petit tour hein, depuis le temps que vous me le demandez. C'est plutôt cool, ça avance. Maintenant la prochaine étape, ça sera le toit.